Meurtre glaçant, Caroline du Nord, Craig X, un homme de 46 ans, aurait abattu de plusieurs balles dans la tête trois étudiants musulmans à leur domicile. L'attaque s'est déroulée sur le campus de leur université. Âgés de 19 à 23 ans, les victimes sont Shadi Barakat, un étudiant dentiste, sa femme, depuis un mois à peine, Youssor Mohamed, et la sœur de celle-ci, Razan Mohamed Abou Shalal. Une page Facebook a été ouverte en leur honneur. Mardi soir, Craig X s'est rendu de lui-même à la police. Dans son quartier de Chapel Hill, ses voisins sont médusés. Je suis sous le choc. Depuis 5h30, je suis dans tous mes états. Craig X a depuis été incarcéré, farouchement athée. L'homme avait pour habitude de publier des messages hostiles à toutes les religions sur sa page Facebook. Le 21 janvier dernier, il postait une photo de revolver avec 5 balles dans un barillet. Une vague d'émotion a suivi l'annonce de ce triple assassinat aux États-Unis et beaucoup déplorent la faible couverture médiatique de l'affaire. Si le mobile de l'attaque n'a pas encore été clairement établi, certains évoquent une dispute autour d'une place de parking. Mais pour d'autres, cela ne fait aucun doute, c'est bien la haine religieuse qui est à l'origine du drame.